a dit une fois, je cite, « On ne vend pas la musique, mais on la partage ». De ce fait, laissez-nous partager ce bon moment musical avec vous, chers amoureux de la bonne musique. Et surtout, bienvenue dans Musica et bon dimanche chez vous. Le chanteur congolais Singila a annoncé son deuxième concert à l'Olympia de Paris pour célébrer ses 20 ans de carrière. Il avait annoncé la première date pour le 15 septembre 2024 et là, il vient de rajouter une nouvelle date. Ensuite. Lemoine Mboka a annoncé via les réseaux sociaux, l'Olympia à peine annoncé et c'était complet en quelques instants. Donc, pas le choix. Je vous offre une deuxième date. Rendez-vous donc le 15 et 16 septembre 2024 pour une double date. En fait, mes 20 ans de carrière, a-t-il expliqué. Pas de moi, je suis mauvais, j'ai le cœur en chantier. Pourquoi t'intéresser, y'a plein d'hommes bien, moi je suis tout cassé. Ne t'approche pas de moi, s'il te plaît, laisse mon cœur comme il est. En 20 ans de carrière, Singila restera l'un des artistes qui continue à faire kiffer les publics par ses chansons d'amour. Évitons ça. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, oh t'aimer. YouTube vient de dévoiler il y a de cela quelques jours les classements des clips les plus regardés en République démocratique du Congo au mois de mars. Et c'est donc le titre Godness de la sœur Sandra Mbouyi qui détient la première place. Regardez. YouTube vient de dévoiler depuis quelques jours les classements des clips les plus regardés en République démocratique du Congo au cours du mois de mars. Et c'est le titre Goodness de Sandra Mbouyi qui s'empare de la première position avec 526 000 vues. Une belle performance pour la chanteuse gospel dont la vidéo musicale dévance largement la concurrence. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtue de ma plus belle robe. Ah. Choqué des Rebo Chulo, c'est classe deuxième avec 446 000 vues. Porté par son message positif qui témoigne la bonté des dieux, le clip Goodness a parfaitement su séduire les internautes congolais. Grâce à l'engouement qu'il suscite, il s'impose comme le contenu vidéo le plus plébiscité sur YouTube en mars. Cette prestigieuse place dans les classements des clips confirme la popularité grandissime de Sandra Mbouyi auprès du public. Avec une telle explosivité, la qualité de sa production artistique est désormais reconnue au-delà des cercles de la musique chrétienne. Triste nouvelle pour les fans de Kunda Sisters, ce célèbre groupe gospel composé de trois sœurs qui vient de perdre l'une d'entre elles. Il s'agit donc de Lucie Kunda qui vient de rendre l'âme. On regarde. Artiste et talentueuse dotée d'une voix d'ange, Lucie Kunda émerveillait depuis de nombreuses années les foules par son interprétation empreinte d'émotion de chants chrétiens. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la musique gospel. Les circonstances de son décès n'ont pas été précisées. En cette période de deuil, nous adressons nos pensées émues à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ses fans attristés par cette terrible nouvelle. Lucie Kunda restera à jamais dans les mémoires comme l'une des figures emblématiques ayant contribué au rayonnement des Kunda Sisters. Qu'elle repose en paix. Maintenant, découvrez de nouveaux clips dans la rubrique Nouveauté. Let's go! Everything is different since you left me. Oh,
I cannot pretend, boy, I go try my best, yo. Oh, oh, oh. It's me against the world. You say, Olu, I'm off, you stand the tall. Now everybody, they hear my song. Now it's in back, oh, I hear my dog. Hallelujah, pray for my mother and my brother since I belong now, oh. Si tu sais pas, faut demander, on ne triche pas comme ça. Assieds-toi, je peux t'aiguiller, moi j'ai quelques katas qui reposent sur des petites femmes, mais les femmes raffolent de ça. On ne triche pas comme ça, on ne triche pas comme ça. On ne triche pas comme ça, on ne triche pas comme ça. J'écoute tes conseils qu'après l'incendie. Elle m'a cramé en voyant le nombre de flammes que j'avais sur mon jeune avec l'autre fille. Je veux la sexy jolie qui ne me saoule pas. Je croyais que l'amour d'une fille s'obtenait comme ça. Mon père Siliba la vandina mwende. A bossani aussi en avis. Tango a collé la belle la gare. Chamba trompe na libumu ya mwasi asana bana na lola kolela lela teo belela se zambe ya mana lole zanga kane nao lole za polele na kana yo ya ya tango likambu belela belela belele zamba no samu ikamwe za domele na yo piyano za domele na talent. Alors aujourd'hui dans Musicaire, madame, monsieur, nous allons recevoir un talent exceptionnel qui s'appelle Prince alias CD Angelou d'Afrique sur ce beau plateau de Musica. Bonjour Prince. Bonjour. Exaucé. Ouais, Kimia, ça va. Ça se voit, hein, le sourire. Ouais. Ah ouais. Ça sent la paix. Avant tout, Kimia, comment Musica? Moi, je voudrais en fait savoir pourquoi on vous appelle CD Angelou d'Afrique. Pour moi, je retrouve deux surnoms là ici comme on connaît, CD et Angelou d'Afrique. Et Angelou d'Afrique. Donc, bah, on a CD. Pourquoi on vous appelle CD? Ah, que CD, ils a nani, ben c'est sobriquet surnom moro nazu moi kala. Tant on a bandu imbasika, ben singa tant bas CD biutu bima, ben singa ah, oui imbalo quoi CD, tant bas cassette ça qui CD bimi, ben singa oui imbalo quoi CD. Et voilà, et puis, et très bon, CD, disque. Ah oui, bah, disque, donc, propre. Propre. Voilà. Donc, nous, ils ont propre. Voilà. Et après, on a sauté, bah, on a Angelou d'Afrique. Et c'est pareil. Quand, voilà, le roi CD, au moins, CD, l'écart, et l'autre, on a flash, l'autre, comme il a, un peu avancé. Maintenant, Angelou, on dit que non, ta voix est pareille à un ange. Oyemba le roi ange. Alors, étant africain, débarbé en Angelou d'Afrique. Voilà. Donc, et ça, les CD Angelou d'Afrique. D'accord. Parce que, déjà, je fais le roi Angelou d'Afrique. Ok. Déjà, je fais le roi Angelou d'Afrique. Ok. Déjà, je fais le roi Angelou d'Afrique. Ok.
Oh, ok. Bébé la mouka na olota, maman yebi sangai, na bala mandonate, na bala mandonate o. Bébé la mouka na olota, maman bandeli li susu, na bala mandonate o, na bala mandonate o. Basia malamu bazalie, akolala kola mouka na projet na yo, kotia yo na mabonde lio, Oya ngando kia boya uti wapi. Pape kisa kinga bilinga linga. Mekasina yo kakite. Tala ifuti nga zeroi. Je pense que ça. Oh, vraiment l'impression d'avoir. Ah, merci. Je confirme, Angélie d'Afrique. Ah, merci. Et vous avez dit que vous faites de l'afro-fusion. Ouais. Afro-fusion. Mm-hmm. Et ça, il y a un style moussousou. Au lieu qu'on le dit, c'est un moi, concentration, travail mêlé, connaissance. Ouais. C'est un moi, m'embobiné. Ouais. Comment est-ce qu'on s'oriente dans le style ou dans la musique? Ouais, c'est avec les autres. Mm-hmm. Bondé ou grandir. À travailler avec les autres, Koyo Kabaninga, comment ils font ça, le partage, voilà. Et parlons un tout petit peu de votre parcours à The Voice. Vous avez fait The Voice 2020. Vous avez fait The Voice 2020. Mmh. Et comment vous vous êtes inscrit? Comment vous avez su d'abord pour les inscriptions? Aujourd'hui, c'est moi l'un que non. The Voice, l'inscription est bandinée, en fait, c'est bandinée. Je pense que c'est un ami qui m'avait motivé de le faire. Et après, je me suis rendu dans la salle de test dans Haï. Et les cas qui payaient bien, et après, on a arrêté nu. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ouais, avec une équipe à l'eau, quoi. Ça s'est bien passé. Donc, tu vois, la culture est belée. Bah, pays belé Afrique. Ouais, pas mal, Sénégalais, Banine, voilà. Et ils ont la question, surtout, comment tu fais pour la Bastine, tu verras que tu te retrouves avec un Sénégalais. Donc, au déjà, Nian, ça va Sénégalais, c'est vraiment original, Nandé, Nabango. Et quand tu écoutes ça du live, t'es avec eux, bon, ça, partage, voilà. C'est ce qui t'enrichit, encore plus. Donc, c'est ça. Vous avez parlé de l'équipe de Loco Akanza. Ouais. Dans mon vidéo, tu as la qui dit Voice Missionnaire. Loco Akanza a se retourné. Il a se retourné qui m'a souka. Ouais. Loco Akanza a se retourné qui m'a dit souhait na yo. Et ça a dit en fait que Yéle a se retourné. Donc, objectif, les Aki attend. Mais pourquoi seulement va coach les Aki et Bélé, des grands noms en fait de la musique africaine. Mais pourquoi souhait na yo les Aki Tchaka, Loco Akanza? Ouais, en fait, d'abord, ils ont été écoutés à. Côté que parce qu'il est congolais par rapport aux autres pays qui étaient là, c'est d'abord c'est un choix personnel et puis par rapport il y a niveau, il y a Papalo quoi, c'est vraiment un talent qui c'est vraiment un coach, un père côté musical comme richesse motozan na Congo. Alors ce qui a retourné na voix na yo pour moi je mis le bel que non mais là je suis dans les bons. Okay. Voilà. Alors compétition et The Voice au vrai qui mon dernier. Comment à l'intérieur à au côté de compétition, comment ça s'est passé les émotions? Certainement, on va dire qu'on s'est au bout de la queue. Non, je suis enfin à The Voice parce que c'est la plus grande compétition musicale africaine. Et les gars, Je peux dire, l'émotion, ils arrivent juste au début. Tant que ça, la test, au passé, test, quand tu es retenu. Et là, maintenant, si tu es déjà grand, tu fais déjà ça, tu joues déjà devant des gens. Parce que j'étais pas dans la salle de vraiment dans la côté ton douche dans salle radio à concert voilà la mission est déjà en fait. Ouais déjà et puis là et tu vois là il a coupé sa meilleure de soi et puis voilà c'est ça. Alors ces genres de compétition là en tout cas tout type de compétition ils auront un avantage sinon des désavantages les avantages ni au bout d'un moment on a des boss oezo apporter le avantage on a oezo l'andalo tisiko yo après compétition et des boss déjà avantage na ba relation y a ba master ba connaissance on a en Afrique et Bélé on a en Angola avant ba ninga ba master. Tu vois que je n'a cause en facilité à collaborer na ivoirien
sénégalais, voire même toi qui t'es na tu vas qui bah ma Madagascar, ok, toi bah tu vas qui Bayonini, Tchad, ouais, tu vois, donc ils a là va plus lourd, donc je peux dire que on les a côté avantage, voilà. Ok. On va vivre loin des petites relations, exact. C'est très important, surtout dans la carrière, dans la vie, il faudrait toujours avoir des amis partout, des connaissances partout, et nous avons la même opportunité. Ouais, ouais, makasi, makasi, vraiment makasi. Mm-hmm. Ouais, on collabore, tilelo, et on va master, puis qu'on au moins on va sali projet. La Bengiope, ouais, tu joues avec eux. Ou deux fois de loin, t'enregistres, bah on peut bah enregistrer Kuna, bah Tindelio. Donc. Toi qui vas changer au moins et belé, d'ici COVID-19, d'ici ça viendra. Ouais. Nous surtout les arabes à composition na yomoko ou bien les a au travail na bah pour être moins bah pour mille arabes et interprète arabe. Ah ben Dieu merci que ça m'a fait ça en sousou, moi grâce mon sousou, il a été en parolier. Ouais, Naza parolier, chanteur. Je compose, voilà, na komaka, na komela rapé artiste msusu. Okay. Hein, artiste msusu ambo kanabiso, bon, pas pour ne pas citer les noms, mais pas mal, tu collaboreras, ben, je t'écris, je te donne, business, je prends ma part et puis. Ah, c'est du voilà. Business. Ah ben, c'est du business, je t'écris, tu me donnes ma part et puis voilà. Ok. Ouais. Et vous évoluez dans un label de musique quelconque? Non, on a Libra, donc. Mon toutou a séduit, la voix n'a pas, la savoir-faire n'a pas, tant Hollanda, n'hésite pas à contacter n'a, ou contacter madame Exaucé. Mm-hmm. Voilà. Ok. Et, question pour Misa. Au commun musicien, vous êtes lancé, en fait, dans votre carrière musicale. Ouais. Il y a certainement quelqu'un qui vous a inspiré, un musicien, ou appelé ça au goût et à musique, ou au talent ou lui, non? Naï, il faut na komara ga lo naï. C'est qui ces musiciens qui vous a un peu plus inspiré? OK, parce que basé Belé. Vu déjà que au moni tendance là on a autre chose bisoir, OK. Naza na osa la ba mixage, ya ba style. Alors il s'est peu que je suis pas vraiment chanteur, je suis musicien. Alors il s'est peu que armo na yo karaba ba musique juste kaka guitare. Tamsouka, saxo, ya pamba. Ok, saxophoniste on en a les là fort. Côté peu voix à mais pour ne pas bon pour na citer quand même combo il y a quelques na reco citer combo il y a vraiment T na Bobby McFerrin. C'est un américain mais à ça tendance est belé à Afrique mais voilà à ça vraiment il donne l'anga quoi. Voilà. Na style na eux qui les autres qui m'habitent au mandamou na préférence à musique, les autres qui m'habitent au mandamou. Parce qu'il y a bien ce awa, les pères et les mères. Les gens, moi, quand tu es au respire à la rue. Eh, Bazalit, Bazali, ben. Tout ça, un taboulé, papa taboulé, tout ça, grand Bazébélé, Samangwana, Pépé Kalé, papa Wemba, le Kwakanza, j'avais une tangage déjà. Voilà. Ok, ouais. Le Kwakanza, il vous inspire beaucoup, hein, ouais, Fédier, ouais, hein? Ouais. D'accord. Alors, on a aussi un a cappella. Pour vous, surtout, on a un liste, on a un congolais, un quinoa. A cappella, on a un rumba, Cuba. Rumba nani yabatu yanga ou comment? Pona, non ponelo ça la rachonne. Eh ben tumbinga yenza mbinga na kufi bon. Attends, na beta, on essaie na beta, na beta, nze mwa mutu. Soit tu ponne la artiste mo ya kala. Nani? Na ponelo ma di système. Bon. Kofi Olomide. Ouais, Kofi déjà grand prêtre, on allait là fort. Chan et les karamaka, c'est mieux compliqué quand ma chante, ma parole et les karamaka, bien. Quel est l'habitude de Rumba. Rumba. Ok. Pourquoi ça, improvisation, hein? Ben ouais, on a appelé la Rumba. C'est que, na, quand t'as qu'à moi, 2 secondes
la bibliothèque là, okay. Et Ninezoya. C'est du genre dans la chanson moro et a du genre venanga grand frère papa Jean Goubal. Faut pas aussi citer parmi bagan à Hollande émission bambo télé pas ça. C'est du genre dans moi les tes nouvelles mais m'a fait jeter les os dans la poubelle. J'ai l'appelé la plus belle, une de mes histoires plus belles. Nouveauté de beauté, qui peut voter par toute une royauté. Moi, na moi si courtoise, le collardoise, na ma beaucoup à Françoise. Balobé à ma taille kilo, à coma danger, na ba démarche à bakolo. Na bé tata li solo yo, na ndenga solo, eh. Na souki wana. Ça, c'est du Jean Goubal. Eh ben, écouter les textes, l'écriture. En tout cas, il n'y a rien à dire. Mais, ils ont écriture nanga. Ils ont style naïe. Je reconnais. Ils ont écriture naïe. Ils ont écriture nanga. Non, mais c'est ma chanson. Okay. À son style. À son style. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Après, je peux dire qu'après le Kwakanza, il y a aussi un idole ici congolais. Bazé Bélé, cause limitée qu'à Jean Goubal. Bélé, on a son cité Wana. Ouais. D'accord. Alors, il y a un vent de polémique. Ils ont cassé la musique Nabiso congolaise. Des fois, donc, pour évoluer, tu bah star na ba mona kati ya ba polémique wana. Ouais. Un petit conseil na ba toi na ba zoko ta ba polémique moko unity do et permettre biso to avancer. Ah c'est vraiment une bonne question. Et ato tozo parcourir tant moro ya passi na Congo déjà Congo tozo déjà na construction si je peux dire to construire na domaine tout na musical pe ezan kati. Alors c'est au Talibaninga, à pays Moussousou, comment bazo avancer, et ils ont avancé par, pour na ba collaboration, na unité. L'amour, je peux pas vraiment dire qu'il y a pas d'amour à 100% entre nous, mais juste faire grandir cet amour-là, n'est-ce pas, autant que les je pense que si tu es au Colissibo Lingo, et que ton dimi, qu'on dit ma moutou na moutou, na grâce na epi na rang na yazali na et là on est spécial à Zanango et roi debiso na marambutu kenetié à fort na stylo yo ye à ça la mo babo est trop et puis nga na za boye to mélanger ango to ça lelo mo boye et ça la biso fort au moni donc c'est un peu ça c'est au long la ba polémique o aleki ba ba lo ba ke yango nimte ça la musique congolaise ba lo ba ke yango ne de base mais bon quelque part tout moni qui tient sur moi pas nasi ma bon tout c'est rattrapé. Pour ça maman on se monte à vous battre je sais pas moi bah zozo ça va tromper na mboka on a 10 artistes 15 20 y a mboka moko mais abiso tant que sous trois vous bazar tant que sous trois tant que sous deux tant que sous moko tant que sous peu bazar pété pourquoi parce que bah toi aussi manaté parce que bah continuer qu'on tombe là ou bien je sais pas qu'on tombe là pour la musique c'est ça parce que tout on dit manaté en fait. Ezako boyana omona oyoka no muninga oyemba bien mais on est au boyaka et ben et puis ba bien expliquer no quoi yango nde mais or si to bandi bon moi déjà nga déjà na zalara soki obeti nzembu na yo et ki bato ba sepel nango c'est que ta quelque chose point barre to ki na biso na gauche droite te ki zané faux chanteur au canin bon il y a pas d'hasard ce bat basse pas on sait qu'il y a quelque chose si qu'on dit maraye on appelle on dit mayo donc ton dit mana et puis mututu parce que il y a la place pour tout le monde vent calandé zalaki ezara na mutu moko to mi balé ndé tout misana koyoka mais c'est pas maintenant le cas aujourd'hui na omomona pe ba tum sou soupe asalinde munaye na moni pe boye ben réseaux sociaux on a dit ah moto sika bat me soupe ba mon nga pe ka lelo bat ka po yo ka ngate ba yo ka pe ah et pe so outi wapi ah voilà bat makambo e changé ezara ali ka musiko ke tout tout tiana tout simba la pe maboko to zonga
tu récupérais même place na biso. Pour moi, je peux dire que tu récupérais place na biso en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Exactement. Donc voilà. Ah, si qu'on enseigne au OP ça conseil na ba jeune oyo, ba linga musique afro fusion. Au bon nga ba se lancer na style musical wana ba fan na yo. Bah, comme exemple, à partir y'a Ina, à partir y'a partout, c'est pela la musique au salaire, conseil, au coupé, ça va, étant donné que ça a un style musical, ils sont trop populaires, surtout à Kinshasa, à Congo. Ouais. Alors, conseil, au coupé, ça va. Ouais, alors, je vais dire que je ne me sens pas vraiment comme maître devant et pour conseil, je ne me sens pas encore exemplaire. Parce que moi-même, na haut travaillé, tilélo, na oyoka kaka. Alors, ce, bah, c'est peli, moi, mouki, na onga, na oyoka, c'est que, bah, approfondir, en okole, kanga, bah, qui est sous ma casse, il est colo, biso tout, to bosser, to mata. Donc, c'est un peu ça. D'accord, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Projet, na oya, venir aux anamo, aux préparer les biso nini, pour la année, depuis, les voices, to mona, tio, tilélo, à l'homme, ouais. C'est quoi vos projets d'avenir? Ouais, dans un studio. Et alors, alors je dirais déjà, il faudrait pas vous limiter là déjà que ben à ça la style moko boye. Aïe, ben nous met takaka boye boye. Dans un vraiment artiste dynamique. Dans vraiment dynamique. Alors, boyo kaba afrobeat, boyo kaba house music, boyo kaba afro congo. Donc pourquoi pas rumba, donc boyo kanyosa, hein, du dombolo. Alors dans la studio na obimisa, si tout va bien durant l'année avant dernier décembre ou janvier, boyo ka on a prévoir quoi. Voilà. D'accord, tu as la autre Hollande d'ici décembre janvier, tu osi la tomona et loni beaucoup proposer biso au métalé pour na public na yo, mais avant tout qu'il y ait, nous aurons nos réseaux sociaux, quelle plateforme et puis avec quel nom. Ouais, je pense que dans Rossin Rabino, peut-être pour l'extérieur, dans la YouTube, dans la Facebook page, dans la Twitter, dans la Instagram, dans la Ababilo, quoi, dans tous les réseaux sociaux, vous aidez là, et les carrés dans la C, ou à intéressé. Rechecker, otala ni na salaka, je pense que vous avez des suites. Il y a tellement de conseils, tellement de trucs bien. On essaie de faire mieux pour la génération. Bolanda et bon CP là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est des Angelou d'Afrique. Voilà. On se retrouve peut-être prochainement en décembre ou en janvier quand vous allez sortir votre album ou bien cette surprise que vous nous préparez. Voilà, ouais, merci beaucoup. D'accord. Merci. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous, chers amoureux de la bonne musique. Merci de nous suivre encore et toujours. Et surtout, n'oubliez pas d'émettre vos avis en commentaire sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram, Inoff Télévision. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Inoff TV. Vivez la télé dans sa dimension créative.